Salut à tous ces pêcheurs de trésors. Alors aujourd'hui, vous reconnaissez le pont où on a fait de l'or et 12 coffres-forts ou 13, je ne sais plus. En tout cas, on ne devait pas revenir, mais on est revenu parce qu'il y a eu des travaux qui ont été faits. Donc ça va rendre la berge plus accessible ce côté. Et on va voir ce qui reste. En tout cas, on a vu qu'il y a des gens qui sont passés. On a vu des restes sur le bord du canal. Donc bah, c'est bien vous pour la dépollution. Bah, on va voir si vous avez laissé des choses. Là. Un bel antivol de scooter, mais bon, le scooter était dans l'eau donc il a pas marché. Mon frère il va essayer de l'autre côté avec le Barbarian. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une capsule de quelque chose. Je sais pas du tout ce que c'est. Il y avait comme des crochets pour enlever de chaque côté là. Ça peut être dangereux ça. Ouais. Après le fait que ça soit ouvrable des deux côtés, ça me dit, bon peut-être pas dangereux mais... Ouais, c'est percé là. Ouais, c'est percé. Ouais. Après ça... C'est peut-être de la bouffe aussi hein. Ouais, ça peut être des... Ouais. On va voir. On va pas faire, on va faire attention avec. Ouais, vaut mieux. Ouais. Mais je pense que ouais, t'as raison, ça se trouve c'est des bouffes. Oui, bah vu que ça s'ouvre des deux côtés. Ouais. Mais bon, on sait jamais. Bon, le mari, je pars hein, parce que je te retrouve. Non, on va éviter. Bon, bah ça commence bien ce côté. C'est un parapluie, non? Non, c'est une canne de. Comment? Que tu mets sur les voitures. Ouais, je m'attendais mieux. Ah ouais, un antivol de voiture. Un antivol, ouais, tu sais. Ouais, ouais. Ah, mais celui qui te faisait suer. Bon bah ils ont volé une voiture alors. C'était la voiture aussi hein. Ouais. Donc là je viens de sortir ça. Là tu dois avoir une bobine de cuivre qui est là. Ouais. Peut-être récupérer un peu de cuivre. Sympa hein, ouais ouais. Il faut le... Tiens, profite-en pour me filmer ça. C'est pas super trouvaille aussi. Ouais, pas mal. Ouais, au ça, début on, ça pensait, la... on pensait que c'était une balle mais... Bah, ça a la forme mais non pas vraiment. Hein. Ça. Porte-clés, ouais, bah, sûrement mal. Fait main hein. Ouais, on dirait. Hein. Mmh. Sinon, je vois pas. Sympa. Là, j'ai montré le pinel aussi, du coup, on l'a pas fini. Ouais. Ouais, en ce moment, on a bien enchaîné là. Alors, on commence à voir la marque. Ouais, elle est bien conservée. Mmh, numéro 8. Celui-là, ça va le faire. Ouais, ouais. Bah, ça, c'est tout. Ouais. On le filmera quand il sera propre. Ouais, c'est cool. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu nous sors encore? Là, t'as le Barbarian, tu fais quand même le plus gros trouvaille. Un panneau. D'accord, bon bah il nous avait échappé celui-là. Bon, j'ai quelque chose. What? Je crois que j'ai perdu une partie. Ah, je suis sur un truc. Ça va dire quoi? T'es ouf toi? Ok, si, ok, si. Tu me lâches pas hein. Tu l'as eu? Oh, t'es sûr? Ouais, ça vient. Ah, là, sur moi, c'est combien? Quoi? J'ai pris le relais là, j'ai une force centrifuge. J'étais un méchant garçon! De façon continue sur les manches. Tout ça pour utiliser le Barbarian à ma place. Ah, il creuse, il rebouche! Il rebouche le canal. Ah, ouais, mais peut-être il nous fait un passage pour traverser. Il veut jeter de la terre dans l'eau là. Il est fou ce gosse! Sors des bois, hein, si tu arrives. Encore un cintre! Allez! C'est rempli! L'étiquette, c'est Hugo Détection. Ouais. Pour les pinces à linge ou le cintre? Pour la pince à linge. Ouais. Oh, du cintre! Non! Reviens là. C'est bon, je l'ai. Ça accroche pas bien ces trucs, mais on les chope. Ah, ah. Il y a des trucs. Mais... Oh oui! Oh oui! Oh oui! Ouais, peut-être. Ouais, je crois. Cette chaîne-là, elle a couvert de 30 euros. Ah, c'est clair, ouais. Si, si, si. Regarde-moi ça. Énorme. Enfin. Putain, compris, il reste bien les bijoux dans la vase. On ne devait pas revenir à ce pont, mais... Voilà donc pour ce qui est de la chaîne. Donc, comme on l'a dit, Zag, Zag bijoux. Pas mal. Ensuite, on a...
petit objet sûrement vénitien. Voilà pour la bague. Avec le brillant. Ça a vraiment l'air de fantaisie, surtout que l'anneau est attaqué. Donc ça, c'est aussi une bague, donc c'est de la fantaisie aussi. Le collier, bof, hop. Ça doit être une bague aussi. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, qu'est-ce que c'est? Allez, on continue sous le pont des miracles. Ah, ça faisait longtemps, tiens. Comme quoi, il en reste, hein, c'est fou. Il reste du calibre 12. Ah ouais. Je crois qu'il y en avait, je sais plus, une quarantaine. Donc là, j'ai pas filmé, mais regardez-moi ça. Un petit collier avec des perles dorées. Sympa, sympa. Sympathique. Et donc, il accroche pas. C'est de la chance. Ça s'est mis autour? Ouais, c'est brillant. Non, c'est pas des perles. Non, pour le coup, c'est vraiment du toc, je pense. Donc là, j'ai un gros truc qui vient. Et c'est peut-être un coffre, hein. C'est peut-être un coffre. Ou un morceau de voiture, à voir. En tout cas, c'est lourd. Qu'est-ce que nous sort le barba? What? Oh, ouais, c'est... D'accord. Une pompe. Bayard. C'est une pompe, ça, non? Non. Mais elle est en bon état. Elle est récente, hein. Ouais, c'est récent. Date 2007. Ouais, c'est pas vieux. Pour une pompe, ça résiste à l'eau, ça. Ouais, ça pèse. Ça pèse une blinde. Elle est peut-être pas cassée, hein. Non, peut-être pas, ouais. Ça vaut peut-être cher, hein. Ah. Ah. Je l'ai. Attends, ouais, je l'ai. C'est lourd, hein. Bah, peut-être un cadre en vrai, hein. J'ai peur d'être déçu. Ils sont pas dans l'eau, là. Oh. Ouais. Mouché en acier. C'est moins lourd d'un coup. C'est bien, ouais. C'est pas mal. Surtout qu'on galère dessus depuis. Au moins voilà. Non. Non, mais on s'en doutait que celui-là c'était pas un coffre. Hop. Que dalle. J'ai quelque chose. Ce que je pêche, je l'offre à Hugo Détection. Ah. Enfin, Hugo Détection. Si c'est un peu nul, Si c'est un peu nul, on lui offre quand même. Hein. On lui envoie. On lui envoie. Si c'est nul. Sinon on coupe au montage. C'est nul, je te l'envoie, sinon je coupe au montage. Pas s'il le veut. Moi aussi. Qu'est-ce que c'est? Une encre? Non. Ouais, peut-être. C'est quoi au bout? Ah. Qu'y a-t-il au bout de la corde? Ah, ça c'est la corde avec laquelle Rasta il aime bien jouer dans le garage, l'autre morceau. Voilà. Ben en vrai, ça va nettoyer, hein. Ouais, félicitations Hugo Détection. Ouais, t'as gagné un bel amas de conneries. Ah ouais, y'a pas des bijoux là? Y'a plein de fils de pêche. Y'a combien de pêcheurs qui ont perdu leur truc là-dedans? Ouais, là y'a une prise. Elle était au bout. Oh, chaîne. Ah, elle est pas belle, hein. Elle est pas belle du tout. Et la preuve que ça fait de la place là, en enlevant ton truc. Elle est bizarre, hein. Elle est bien noire, mais... Ouais, elle te va bien, hein. Bon. On valide. Ah, le coup dégueu. C'est con. Non, ça fait la vite. Dédicace à Maison de la Détection, toujours avec les vestes Magnetar. Ouais. Voilà, pensez faire un tour. On est très bien, là, on c'est est au chaud. Ça tient au chaud, bon là, il fait beau, mais... Il y a du vent, quand même. Ouais, vous n'êtes pas forcément obligé de l'allumer, hein. C'est vrai que ça fait un bon sweat aussi. Oui, clairement. En conditions normales. Et surtout, si comme nous, vous voulez remonter des chaises, code promo pêcheur de trésor, qui vous offre 5% de réduction sur toute la boutique. Barbarian qui fait toujours des très beaux poulouffs et qui ramène des bijoux. Quoi? Oh, c'est quoi ça? Toutes ces boules là. Je sais pas du tout ce que c'est. Non, ça c'est un collier. Ouais, mais il est pas beau alors. C'est un bracelet. Je l'offre. Bon, et eh bien écoutez, très jolie journée de pêche à l'aimant. Ouais.
Le Barbarian a tenu ses promesses, on a encore trouvé des bijoux sous ce pont. Ouais, notre pont préféré. Bah voilà, on s'était dit qu'on n'y retournerait plus, mais au final, il y en a encore, donc pourquoi s'en priver? Sinon, bah, pour les trouvailles, bah, trouvailles habituelles aussi, hein, pas mal de ferraille, ouais, jolie dépollution. Le plus intéressant pour moi, c'est cette capsule, donc qui semble s'ouvrir des deux côtés. On ne sait pas ce que c'est, on pense ou une ration de survie, mais ça peut être des explosifs. Donc on attend l'avis des experts dans les commentaires. Voilà, c'est ça, on va pas l'ouvrir pour l'instant, on attend vos réponses. Comme ça, ce sera de votre faute si ça explose aussi. Ouais, voilà, faut le dire. Et cette magnifique Opinel, Opinel numéro 8, qui va tout de suite partir en restauration, voilà, parce que il est plutôt pas mal. Ouais, je sais pas. Conservé. On arrive encore à lire les inscriptions. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de pêche. Yes. Bon, voilà donc les bijoux pêchés aujourd'hui, rien d'incroyable. Hein. On a fait exprès de ne pas le poncer pour qu'il garde sa couleur d'origine de pêche. Eh oui, c'est sympa, ça donne un petit cachet. À quoi ça sert d'avoir un couteau flambant neuf? Ouf. Ouais, bah. J'ai déjà vu ça dans un film. C'est dégueulasse.